Et salut tout le monde, c'est Mastermind, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Dimension. Ils sont tous les deux retournés là-bas, d'accord, c'est pas grave du tout, hein. Alors j'espère que vous avez apprécié le dernier épisode, qui était bien entendu le premier épisode sur le pack histoire de Lego Batman, le film. Je suis même pas sûr que j'ai dit au tout début. Mais en tout cas c'était vraiment dégueulasse parce qu'il y avait beaucoup de déconnexions. Et j'espère qu'aujourd'hui ça allait mieux, et en attendant, on va continuer l'histoire. Alors le pack histoire il est vraiment bien. Par contre la dernière fois, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez dû savoir que c'était pas idéal, hein. De toute façon ma connexion à internet elle est jamais comme ça. D'ailleurs quand vous vous demandez pourquoi est-ce que Robin est en forme Nightwing, parce qu'il peut se transformer tout simplement. Il peut se transformer à n'importe quel moment. Pourquoi ces machins sont toujours aussi lumineux? Ça fait depuis l'année 1 que tu dis ça Batman. Faut que tu changes de parole quand même. Ok, donc on était là, dans la Batcave, et maintenant je pense qu'on doit reconstruire l'ordinateur. Désolé, j'ai pas d'idée. Pour ça en tout cas. Allez Batman, reconstruis ton ordi. Boum. Non, c'est pas toi qui va. Tu vas pas reconstruire ton ordi. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi je devrais. Super. Je me souviens plus où est la trappe d'accès pour contourner le système. Faisons appel à mes talents de détective. D'accord, mais pourquoi est-ce que. D'accord, je peux aller là. Ah, voilà. En fait, fallait juste aller là avec la Batwing. Ok. Ah, d'accord, c'est à ça que ça servait. Ok. Parce que j'avais pas compris dans l'épisode à quoi ça servait. Ok. Voyons. C'était de ce côté. Batwing, tu as dégagé. Enfin. C'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Oh. D'accord. Ok. D'accord. L'utilité de ce truc, s'il te plaît. C'est Robin. Il nous faut Robin. Nightwing. Bon, c'est pareil, hein. On va se changer en Robin d'ailleurs, parce que sinon. L'enfant prodige. Parce que sinon, là, ça va être compliqué, hein. Hop, on va sauter sur ça. Ah, faut appuyer sur X maintenant. Oh, intéressant. Quoi? N'importe quoi. Oh mon dieu, c'est les scènes du film. Ok, non, par contre, là, on peut pas. Donc, on va aller de ce côté. Les animations, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Hop, monte. Allez, Robin. C'est parti. Yes. Ça, c'est ce que j'appelle la classe. Allez. Je suis passé. L'interrupteur, petit. Ouais, c'est fait. Il n'y a rien qui presse, monsieur. Le Joker et ses sbires sont enfermés dans l'asile d'Arkham. Il s'en est déjà évadé. Ouais, c'est eh bien, un... Vous pouvez difficilement l'exiler dans la zone fantôme. Hein? L'exiler dans la zone fantôme. Ah, c'est une bonne idée, ça, non? Les chaînes d'information ont demandé au public ce qu'il fallait faire du Joker. Et une jeune femme a proposé cette solution ridicule. Ridicule, vous croyez? Oh oh! Robin, descends! J'ai pas envie que tu... Ah, voilà, ok. Fallait garder le joystick en bas et à gauche en même temps. Donc, ouais, c'était complexe. Allez, c'est parti! Plateforme principale, Batwing. Non, je l'ai pas posé. Ok, hop. Parfait. Et une Batwing. D'ailleurs, il a... Oh, 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 oh. Ah, ça va être pratique dans les combats, ça. Je savais pas que la Batwing, elle envoyait des missiles, carrément. J'ai cru qu'elle envoyait juste des tirs, mais ça, c'est des missiles, ça explose. Ah, mais du coup, j'aurais pu détruire les objets argentés dans le premier niveau. Merde. Ok, B. C'était sûr que Batman, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une bombe, là? J'ai endommagé le déclencheur avec mon poing. D'accord. Ah, c'est Robin qui peut se séparer, qui peut réparer. Vous êtes un très bon parent, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais me mettre en sécurité. Allez, c'est parti, Robin. Ah non. Nightwing ne peut pas réparer, il n'y a que Robin qui peut réparer. Et hop. Hop, voilà. Non. Non, ok. Je peux faire ça si vous voulez. Ah d'accord, fallait appuyer sur B, ok. Du coup, fallait garder B appuyé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu que j'ai carrément oublié. Alfred. Wow. Yep. D'accord. Je vais reconstruire le reste de cette machine. Batman, où est-ce que t'es? Batman. Ah, d'accord, il était tout en bas. D'accord, pas de problème. Hein. Tout à fait logique, il nous suit pas le mec. Hop. 1, 2 et 3. Ok, ça c'est bon, ça j'ai construit. D'ailleurs, ce portail m'a un peu déçu parce que je trouve qu'il était trop simple. Voilà. Parce que, après les portails des animaux fantastiques, bon, c'est vrai que c'est dur de trouver mieux parce que le portail des animaux fantastiques était vraiment excellent. Mais celui-là, il est un peu trop simple, je trouve. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est parti dans le niveau. J'espère que ça va pas faire plus de déconnexion. Je vais mettre la souris là. Pour que... Non, ça va aider ça. Non, non, je vais mettre là. Je vais le mettre là et puis... J'espère que vous avez pas vu un changement d'écran. Ordinateur, comment puis-je bannir le Joker dans la zone fantôme? Pour bannir le Joker dans la zone fantôme, utilisez le projecteur de zone fantôme. Le projecteur de zone fantôme se trouve actuellement dans la forteresse de solitude de Superman, au cœur du chaudron atomique. Toutefois, les analyses biométriques indiquent que seul un objet de 2,31 cm de circonférence peut entrer dans le chaudron. Je vais pas pouvoir passer avec mes épaules. Je suis trop balèze. De plus, une fois dans le chaudron, plusieurs systèmes de défense kryptoniens se déclencheront. Notamment des doubles acides, un cercle de napalm et les dents de la mort. Les probabilités d'échec de la mission sont de 110%. C'est un haut chiffre, ça. Peu de chance. Une minute. Celle-là, c'est une chance négative. Allez, suis-moi. Et au fait, Alfred. C'est pas cool d'emprunter des vêtements sans demander d'abord. Bon, au moins ils ont fait que ce soit logique. On devrait pas demander à Bruce Wayne s'il est d'accord pour que je vous suive? Non, inutile. On s'est mis d'accord pour une garde alternée. Oh, ça c'est chouette. Bon, allez, c'est parti. Voilà le plan. Pendant que j'occupe Superman, tu te faufiles dans ce conduit et tu récupères le projecteur. Compris? Bien reçu. Bien, Robin. D'ailleurs, il y a un truc dans le film que j'ai pas compris. Comment est-ce que Robin a appris tout ça? Genre... Je sais pas. Pour moi, c'est pas logique. Batman. Hey, tout le monde. Batman est là. Awkward. Tu fais une petite fête. T'as pas reçu ton invitation? Oui, si, si, on se demandait pourquoi tu venais pas. Hein, pas vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien, le courrier a dû se perdre, ce qui expliquerait ce malentendu. C'est mon plus un. Profitez bien de la soirée. Robin, tu as raté. Ok, j'ai rendu une bad girl parce que c'est pas logique. J'ai échoué notre plan, petit. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer dans le chaudron atomique. Ouais, bah. Confiance, bad papa. Bad papa. Encore devoir jouer les détectives. Bah écoute, on va déjà casser un peu d'objets, hein. Avec cette formidable Batwing. Un peu détruire ça. Non, je pense pas. Et cette Batwing, elle est formidable, quoi. Regardez, regardez-moi comment c'est bien fait. Et surtout, les missiles, c'est incroyable. Moi j'adore les véhicules à missiles. Dans le jeu ils sont tellement utiles. Hop. D'ailleurs on a même pas besoin de missiles hein. C'est une batterie qui peut détruire tout sur son passage comme ça. Ok, par contre je pense pas qu'elle a un laser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ait un laser. Peut-être la version 3, je suis pas sûr. Aïe aïe. Je vais garder la souris ici hein, comme d'habitude. Parce que sinon là ça va pas marcher. Hop. Il y a comment il s'appelle là? Comment il s'appelle le chien là? Crypto je crois il s'appelle. Crypto le super chien, oui, c'est ça. Allez Batman, c'est à ton tour de jouer. Ah, en plus ça va, il y a Green Lantern qui fait les qui fait la lumière et tout, c'est excellent. Hop, c'est parti. Je détecte une trace d'odeur. Allez Batman, en vert. Ok. Ok, alors j'ai pas compris à quoi sert le carré, parce que le carré ne montre strictement pas où il faut aller. C'est un truc. Voyons, ok, de ce côté. Ah, on a monté sur l'escalier. Ok, parfait. C'est bien ces nouvelles mécaniques de gameplay, mais le carré, je vois pas son utilité en fait. C'est ça le plus grand problème. Genre là, ça nous montre, oui, mais... Mais genre là, c'est pas où il faut aller là. Regardez, regardez où va le carré, voilà. La piste s'arrête ici. L'odeur a dû être masquée par celle du chien. J'ai pas ah, Wonder Dog, ok. Mais la musique que tu passes, elle pue vraiment. Si tu veux mettre de l'ambiance, tu devrais mettre quelques-uns de mes rythmes entraînants. Ça s'appelle Wonder Dog, ok. Je détecte un signal derrière les sous-harmoniques. On passe en bleu. C'est bon ou mauvais? Yes. Ok, on tombe. Voilà. Allez, Green Lantern, tu nous laisses passer, s'il te plaît? Yes. Batman qui est en train de tout gâcher là. Tu sais que pour mixer deux musiques, faut les accorder avant. Il faut passer par là pour atteindre le chaudron atomique. Comment faire pour entrer sans nous faire repérer? Bah, faut aller dans le rouge. Créer une diversion.
Ah ouais, j'ai encore jamais utilisé le rouge. Voyons où elle nous mène. Ok, là apparemment faut suivre le cercle, je crois. Ah voilà, ok. Vous voyez, là faut suivre le cercle. Là le cercle est utile. Mais le carré, j'ai pas vu son utilité quand même. Ok. On va revenir détruire tout ça juste avant. Des portraits de Superman. Je trouve ça un peu vaniteux. Et tous tes trucs qui commencent par bat. J'allais dire la même chose. Légal. Ouais. C'est comme Tony Stark, genre, ça fait. Je me rappelle dans Lego Marvel Super Heroes, ça fait. Comment t'as nommé ton jet et puis là, ça fait. Spider-Man, ça fait. Bah, Stark Jet. Évidemment, parce que c'est Tony Stark. C'est incroyable. Ok, donc là. Allez, Robin. C'est tellement comique, les animations, c'est incroyable. Et ce Pakistan, il est vraiment formidable. Hein. Je jure, c'est peut-être le meilleur Pakistan. Quoique, j'ai bien apprécié celui des animaux fantastiques. Mais. Ouais, là, celui-là, c'est bien. Et d'ailleurs, celui de Ghostbusters, c'est excellent aussi. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, le contenu de l'année 2, même s'il n'y a pas de nouveau niveau du mode histoire, ce que j'ai trouvé vraiment dommage. Peut-être, mais, avec un peu de bat ingéniosité. Tous les niveaux, ils sont bien. Hein. Qui est nettement supérieur à l'ingéniosité normale. Toujours. Ah oui, la double saut, j'ai oublié. D'ailleurs, Robin, en tant que Nightwing, est le premier personnage dans un jeu Lego, je crois. Qui a. Pourquoi c'était comme ça hein? Ah oui, parce que c'était. Ouais. Qui a le double saut et le planning en. Le planning. Le planage en même temps. C'est-à-dire qu'il peut doublement sauter. Mais doublement sauter. Ça. Il peut sauter deux fois et planer en même temps. Et ça c'est incroyable. Voyons. Alors, bien sûr, hein, c'est encore plus pratique un personnage volant. Mais. Quand même. Vous voyez Batman construire ça dans la vraie vie, vous? Bien, on devrait pouvoir franchir cette porte maintenant. Ok, non mais je prends juste. Quelle bonne idée! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des bonbons? Eh bien, comme je l'ai construite avec une boule à facettes, surtout des morceaux de verre. Des briques de plastique. Des briques de plastique, oui, parce que c'est des Lego, oui. Wow. Oh. Oh, il y a quelque chose là-bas. Attendez, on va juste explorer un peu. Ok, smog. D'accord. Donc là, il faut. Oh, c'est qui ça? Ah, c'est des personnages de DC Comics que je connais pas. Ouais. De toute façon, la plupart des personnages du film, je connais pas. Hein. Enfin, la plupart non plus, mais les vilains, là, je connais pas. Enfin, là, c'est des gentils, mais. Ok, donc là, je pense que. Nightwing peut le faire. On va invoquer Nightwing et puis on va le faire. Nightwing, c'est parti. Je pense qu'il peut faire, mais s'il peut pas faire, je vais laisser ça. Oui, exactement, il peut le faire. Saute doublement. Ok. Ok. Allez. Ah, Batman doit devenir invisible. Batman, c'est parti. Alors. Ah, on doit déjà tirer sur le levier et puis après faire quelque chose d'autre. Allez, accroche-toi. Parfait. Hop, tire sur le levier, Batman. Hop. Et c'est un autre arme mini-kit, sûrement. Ah non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Hop, on va pousser ça. Ok. Ah, ça fond et ça va nous donner un mini-kit. Enfin, on devra construire le mini-kit nous-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce mini-kit. Ça a l'air presque aussi important que moi. Ouais, presque. Et là, tu te sous-estimes, Batman. Hein. Ça, c'est juste un mini-kit. Les mini-kits ne sont pas si importants que ça. Hop. On va tout de suite. Bon, il y a quelque chose en haut, mais c'est doré, donc on peut pas le faire. On va tout de suite entrer dans cette porte. Hop. Enfin, si toutefois on peut le faire. Ah, là. Hop, c'est parti. Et j'adore le fait qu'ils ont changé même le logo de Batman. Même si c'est l'exact même Batman, enfin pas exactement, parce qu'il y a ça. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Hop. Ah, trampoline, je pense que ça c'est pour Robin ça. Hop. Ah, j'aurais pas dû changer. Parce que là, si j'ai besoin de Robin. Ah non, ça va, ok. Là, j'ai besoin de Batman. D'ailleurs. Tester un truc, juste tester un truc. Tu dois jouer, Bat-Papa. Juste tester un truc.
Non, ok. Donc Robin, non, arrête de monter dans la Batwing. Robin ne peut pas utiliser ce truc comme un batarang. Voilà. Un truc qui est déjà décidé. La porte s'ouvre. Ouais. C'était le but, non? Il y a une autre porte derrière. Bah, bah apparemment. Servent ces boutons? Bah, à faire ça. Un, deux. Reculez. Vous serez aux premières loges pour voir ça. D'accord, ça veut dire quoi ça? D'accord, ça fait de la musique de Superman, parce qu'on est dans la forteresse de la solitude. Son musique. Il faut appuyer dans le bon ordre. Ok. Ok, donc. Ok, ça. Ah! Excellent, 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 excellent. Excellent, excellent. Ce truc il est excellent. Ah! Maintenant faut le faire dans l'ordre. Ok, comme ça. Non? C'est pas comme ça qu'il faut faire? Donc on commence par ça. Ensuite c'est ça. Ensuite. Ah non, d'accord. Ah, ok. Donc ça. Ensuite ça. Ensuite on répète avec ça. Ah, ensuite le truc d'en haut. Magnifique. Et ces puzzles, ils sont excellents. Je sais pas comment, ce que vous en pensez, ces puzzles, ils sont excellents. Ouais, il y a un énorme couloir. Comment tu sais qu'il n'y a pas de porte? C'est le moment, est-ce que t'es prêt? Je suis toujours... Non, attends, mon lacet. T'as pas de lacet. Je me rappelle encore de l'épisode de Ninjago, là, quand il dit ça. Y'a pas de lacet. Toujours... Ah, mon autre lacet. Batman est exaspéré. Je suis toujours prêt. Il peut plus attendre. Oh, 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 regardez-moi ça. C'est excellent, hein. Wow, wow. C'est quoi ça? Surveillance, frappe-les. Ok. Ah, on a le statut de véritable. Ouais, briseur de règles. Ok. Véritable. Véritable briseur de règles. Atomique. Ouais. Oui, et le projecteur de zone fantôme est au beau milieu. On doit donc te trouver un point d'accès. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose en bas déjà, j'ai vu. Ah, sauf que lui, il peut pas. Faut se changer. Désolé, oh. J'ai pas d'idée. Pour ça, en tout cas. Allez, c'est parti, Robin. Ok. Un interrupteur. Yes. Qu'il éteigne les lasers. Ça a l'air de le faire. Hein. Oh oh. Ah, il y a d'autres lasers devant. Et je crois que ceux-là, faut les esquiver. Et vous savez que je suis très nul aux esquives. Je suis vraiment très nul. Genre, vraiment très nul. Voyons. Pourquoi une musique comme ça? Il faut bien calculer notre coût. Ok. Je vois pas d'autres drones. Je vois juste ça. C'est horrible. Yes. 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 Passe. Vite. Ah, risqué, mais c'est bien risqué. Hop. Je vais casser à la main, à la limite. Je vais pas utiliser la Batwing pour ça. Hop, on va continuer, on va avancer dans le niveau. Wow. Je vais devoir passer discrètement. Ah non. Il n'est pas... il n'a pas de, le batarang, Robin. Enfin, pourquoi il aura le batarang? Il n'a pas son bâton, là, qu'il peut jeter. Hop, parfait. Robin, t'approche pas, s'il te plaît. Robin. Yes. Oh, je croyais que t'allais juste passer sur la pointe des pieds. Non, il a tout un appareil. C'est apparemment. Par ici. voyons. Qu'est-ce que ça donne ça? D'accord. Ok. Ah. Ouais, sauf que c'est qui doit passer? C'est Robin. Robin, mets-toi là-dessus. Ah non non non. Ah d'accord. Okay. C'est Batman qui fait le boulot pour nous. Ouais, mais sauf que hey. Comment on fait?
Attendez. Et hop. Si tu te demandes comment j'ai fait pour planquer un collant sous un short. Non. Moi aussi. Vu la température au pôle Nord, je suis content d'avoir mis plusieurs couches de vêtements. Ah, peut-être qu'il faut faire quelque chose d'autre. Attendez. Ouais. Ok. J'ai cru qu'il fallait faire double saut et puis planer avec Nightwing, mais apparemment c'est pas ça qu'il faut faire. Apparemment, là, il faut faire sortir des trucs. Des poignées peut-être sur lesquelles. Ah ouais, exactement. Bon, à ton tour de changer de tenue, petit. Hop. Oui, transformation. Ah ok. Donc là, on doit aller en Robin, en Nightwing de toute façon. Ok. Batman, s'il te plaît, aide-moi. Parfait. Allez, voyons, c'est parti. Ah non, Batman, re-aide-moi. Désolé. Descends du truc. Voilà. Je vous jure, le saut, j'y arrive pas. Ok. Donc. Parfait. Ok, saute. Ok. Donc là, il faut juste tranquillement, tranquillement, sans presser, sans presser. Allez, là, on entre dedans et c'est parti. Allez. Descends. Wow. Ah ouais, on descend plus bas que je pensais. Tu peux voir par où passer. Non. Mais j'ai trouvé une machine cassée. Ah, c'est la réparer. Faut peut-être la réparer, oui, exactement. Alors, voyons, Robin. Non. Allez, c'est parti. Ok, ça s'est réparé. D'accord, c'est une drôle de machine. Ah. Ah, j'avais pas prévu ça, ouais. Ça fait quelque chose? Ouais, ça fait ouais, quelque chose. Joué. Batman, t'as bien fait de lui dire de la réparer. J'aurais jamais réussi sans toi, papa. Batman tellement égoïste. Voyons. Qu'on calcule bien notre coût, wow. C'est ce que je vais faire. Et tu peux faire ce que tu veux. Ok. Ok. Je vais pas m'approcher. Parce que dans les jeux Lego, parfois, ces trucs comme ça, même si vous vous approchez sans vous faire écraser, vous mourrez quand même. Voilà. Ah, il y avait une promotion sur les lasers ou quoi? Une promotion sur les lasers. Regarde, il y a une trappe ici. Oh ouais, il y a un grand carrément. Attendez. What? Oh, il en tire trois à la fois. Ouais, Robin, arrête. Arrête de glisser. Ok. Yes. Et non, il a pas le batarang, c'est vrai. Ah, j'oublie toujours que Robin n'a pas quoi lancer en fait. Chaque fois, j'essaie d'appuyer sur X avec, mais. Parfait. Ah ouais, il envoie quand même 4 à la fois. Même s'il y a reste une partie. Ok, parfait. C'était méchant. Ouais. Superman, il rigole pas. Et le scénario d'ailleurs ici est très illogique. Parce que le premier truc qu'il aurait dû faire de tous ces appareils là, c'est déclencher l'alarme pour que Superman lui-même arrive. Genre, pourquoi ils ont pas pensé à ça? Ok. Comment on fait pour sauter plus haut? C'est pas en appuyant sur B? Oui, exactement. Ok. J'ai juste un doute. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué et. Enfin, longtemps, ça dépend. Je suis passé. Yes. Je remonte dès que je pourrai. Je me rapproche. Allez. Ok. Ok. J'avance toujours. Tombe pas. Yes. Écoute, préviens-moi juste si tu passes l'arme à gauche. Allez, c'est parti. Meurs. Voilà. Ok. Donc, attends. Ok, donc là, il y a un laser. Batman ne peut pas passer. Donc là, il faut Batman. On avait déjà testé que le Batarang, il ne marche pas. Enfin, le Robin, Robin Bâton. On l'appelait le Robin Bâton. Là, il marche pas, ça c'est clair. Et qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Peut-être qu'il y a des trucs à casser, oui, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ah, il y a des trucs à casser, oui. Quelque chose assemblé. Allez. Non, toujours pas assez de pièces, d'accord. Parce que c'est sûr que quelque chose est assemblé. Et c'est sûr que là ça va pas marcher, voilà. Ok. D'accord. Ah, faut assembler une boîte pour pousser contre le laser. D'accord, c'est compréhensible. Voyons. Donc faut assembler une boîte pour le pousser contre le laser. Fais un petit effort. Parfait. Batman, viens. Voyons. Oh, j'ai besoin de souffler un peu. Ouais, t'as besoin, ouais. Quoi? Yes, yes. Ce jeu j'adore. Ils ont repris la scène du... je sais pas si vous vous rappelez encore. The Lego Movie.
Alors il y avait une scène avec le camion octant là, quand il rentre dans la tour business. Et puis Batman avec son batarang, il a essayé d'allumer un interrupteur. Il l'a fait 10 000 fois avant de pouvoir y réussir. Donc c'est excellent, ils ont repris. Ça c'est pas excellent. J'ai cru que c'était encore la connexion qui était tombée, mais en fait non, c'était moi qui étais mort. Hop. Ah ouais, c'est un peu plus dur. Ok. Ok, commence déjà, voilà. Vas-y, reste un peu en avant, pas trop en arrière, et vas-y, parfait. Bon sang, cette porte est équipée d'un scanner d'iris. Mais on devrait pouvoir le faire griller. D'accord, c'est-à-dire. Faut pas installer un laser ici avant de déflecter. D'ailleurs, je ne sais même pas si quelqu'un a le. Donc là, c'est pour mission impossible. Donc c'est pas possible. C'est pour mission impossible, donc c'est pas possible. Lol, non. Mais c'est qui peut déflecter? Peut-être que toi, tu peux déflecter. Batman, vas-y, mets-toi dessus. Il suffirait de dévier ce rayon laser avec quelque chose. T'as le bon truc, Robin? Voilà. Ah ouais, Batman. Ah, ça fonctionne en plus. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai tué Batman. Voilà, assez. Voilà. Hop. Parfait. Merci, Batman. Oula. Ah ouais. Oh, wow. Ouais. Je vais tomber sur les côtés. Allons-y. Voilà d'autres drones. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des trous au milieu. D'accord. Robin, arrête de faire du bruit. Tu me déranges. Ah, ok, c'est bon. En fait, on aurait pu utiliser la Batwing, en fait, non? C'est pas possible. On aurait pu utiliser la Batwing. Je sais pas pourquoi je me suis pris la peine de faire ça. Wow. Okay. Ok. Désactive-toi, laser. Parfait. Vite. Ok. Yes. Donc, ok, il y a une pierre maîtresse de phase. C'est parti. On va phaser quelque chose. Comment faire pour l'atteindre? Tu vas me lancer là-haut? Non, je suis pas une bonne idée. Tu pourrais avec la vitesse. J'ai trouvé un moyen. Ouais, ouais, ouais. Hop, phase, c'est parti. Et d'ailleurs, ce niveau est long. Mais par contre, la barre de briseur de règles, elle s'est remplie à la moitié du niveau. Alors que le premier niveau, il était court et la barre de briseur de règles s'est remplie qu'à 61%. C'est incroyable, hein. Pas logique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici de beau? Ah, Lego City Undercover. Ah, c'était l'ascenseur. C'était l'ascenseur. Je sais pas si vous vous rappelez de l'ascenseur. Moi, je me rappelle l'ascenseur parce qu'il y avait des références à Arnold Schwarzenegger. Donc, voilà. Je me rappelais, c'était Get to the Chopper ou un truc comme ça. Alors. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, ça nous sert à quelque chose là, tout de suite ou pas? Ok. Donc, on peut monter là. Et on peut rien faire avec ça, d'accord. Ça doit nous servir plus tard. Voyons. Allez, en violet. D'accord, ça c'est un sort de... D'accord, ça c'est de The Lego Movie, normalement. Ouais, exactement. Et pourquoi eux, ils sont là? Tout à fait illogique. De toute façon, dans Lego Dimension, il n'y a rien qui est logique. Hein. Qu'on soit clair sur ce sujet. On peut vous tuer, vous? Non? D'accord, vous restez là. Ok. Pas de problème. Donc, ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire d'abord. Ok. Yes. Ok. Et vous, on vous a assez vu. Ok, encore un gros. Hop. Ah ouais, le gros, il fait mal, par contre. Hein. Il lance 4 à la fois, je crois. Ok. Donc, on a quelque chose ici qui s'est déclenché, mais sauf que quoi? Ah, il y a les trucs en haut qui sont apparus. Et là, on aura... Ah, portal. Ah, énorme. Énorme, énorme. Donc, comment ça fonctionne? Parce que... Ah, donc ça, ça va déflecter le laser, enfin. Empêcher le laser. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Robin, arrête de pousser. Ah, on va juste mettre un peu de musique. Non, pas de musique, d'accord. Ok, pas de musique. Pas de musique, cette fois. Parce que ces trucs, dans les premiers niveaux... Enfin, dans le niveau du mode histoire... Quand vous faites comme ça, non, c'est vraiment mes idées. Non, non, non. C'est pas Batman qui galère, mais quand vous faites le mode histoire, ils mettent ils font de la musique chaque fois que vous l'activez. Voilà. Donc, on doit commencer ici. Ensuite, d'une manière.
Et si je demandais à un adulte? Et d'une manière ou d'une autre, faut aller en haut. Alors comment faire? Je sais pas tout. D'accord. Donc ça, c'est inutile. D'accord. Peut-être casser ça? Non. C'est pas ça qu'il faut faire. Yes, on y arrivera avec le double saut. Ok, donc. Ok, donc Robin, reste là. Batman. Vas-y, pousse le truc. Voilà. Jusqu'à Robin. Hop, ensuite, on change. Robin. Vas-y. Ouh, j'ai cru que t'allais tomber. Voilà, j'aurais dû appuyer sur B. Appuyez sur B dans ces situations, faites pas A parce que A c'est un peu ton sécurisé en fait. Hop, ah mais le truc. Laissez faire Batman, le plus grand détective du monde. Non, c'est Sherlock Holmes, je suis désolé. Hop, voyons. Donc là, vas-y. Voilà, et faites B. Ah non, on peut pas faire B. Ah si, on peut, ok. Non, le laser de ce côté. Ok. Ok, et allez, yes. Et c'est vraiment cool ces puzzles, hein. T'as un conseil à me donner? Garde ton calme. Saute. C'est parti. Ah, ça s'est pas passé comme ça dans le film, hein. Prochain arrêt, Gotham. Il est temps de nous débarrasser du Joker. Maintenant, faut sortir, non? Sinon, comment je peux sortir? Exactement. Tu fais tout à l'inverse. Je crois que c'était ça dans le film. Et vous voyez le cercle bleu là qui tourne? Je suis vraiment désolé, je vais essayer de bouger la Xbox de sorte que genre que ce soit pas dans un coin plutôt que d'être là. Mais je vais faire ça, attention à ça au prochain. Parce que d'ailleurs je vais le mettre en haut. Parce que là je vais devoir arrêter la vidéo. Donc c'était un formidable de niveau. C'était un niveau qui était long, donc ça c'est bien. C'est bien qu'ils aient fait des niveaux un peu plus longs. Ça donne vachement plus de contenu. Et avec des puzzles vraiment cool d'ailleurs. Comme par exemple pour la musique de Superman. Et ça je sais pas pourquoi, mais en fait si vous connaissez pas la musique de Superman, vous pouvez pas le faire ce bonhomme. Genre vraiment. Ok. D'accord, parfait. On va continuer l'histoire, pardon. Arkham Asylum. Ah non, ça c'est la scène la scène avec Batgirl, non? Ouais. On entre et on ressort aussitôt. Ou ça fait genre, c'est ton fils? C'est Batman. Oh là là. Un truc comme ça. Dieu merci, ouais. Vous êtes là. Un type s'est évadé, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais si vous pouviez d'abord me laisser passer, je dois. Mes amis et moi, on a un sacré problème. Et vous êtes celui qu'il nous faut, avec votre super costume à faire des exploits. Non, je regrette, je dois. On a commandé un Balrog grandeur nature pour notre partie de jeu de rôle ce week-end. Mais on n'en a reçu qu'une partie. Je dois faire quelque chose de très important et je... Si vous pouviez trouver où est passé l'autre camion et assembler le Balrog pour nous, eh bien, on fera tout ce que vous voudrez. Ah oui, y compris la boucler et le laisser passer. Bien sûr. D'accord. Lego Dimension, c'est un truc... Je sais même pas quoi dire à ce point, quoi. Balrog. Quoi? Et pourquoi Batman l'a accepté, c'est pas dans son type? Et pourquoi c'est un écran noir? Je suis en train de parler dans le vide, là, quand même. Vous pouvez arrêter de paniquer. Batman est là. Pour livrer un Balrog. C'est ça. En plus, le camion, il est cassé. Bon. Et bien, la prochaine fois, on va livrer le Balrog. Apparemment, c'est ça qu'il faut faire. En attendant, je vous dis au prochain épisode de Lego Dimension. A bientôt. Ciao, tout le monde. Oh, mon Dieu, ce truc. Aïe, aïe, aïe.